Bonjour la famille, c'est éclatement aujourd'hui, éclatement les pétages sur pétages. Les vérités qu'on ne vous a jamais dit, les secrets des secrets sont là. Mes chers amis, qui est Nana Ketchup? Les secrets d'État est sorti. Dans la vidéo ici, suivez-moi jusqu'à la fin. Vous aurez votre matière comme d'habitude. Mais avant tout, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne ici, prière à vous abonner, commenter, mettez les j'aime, tapoter pour donner de la force à la vidéo ici. Pour que d'autres personnes qui n'ont jamais, qui n'ont pas encore appris de la nouvelle, des secrets, les secrets d'État, les secrets de la famille, qu'ils sachent bien que aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, vous qui ne me connaissez pas, c'est Gilmas. Aujourd'hui, comme d'habitude, je faisais mes choses, je dormais. Il y a un appel venu de l'Afrique, 243. Combien de gens? Il y a de la famille, il y a des amis. Je ne connais, c'était un numéro non enregistré. J'ai pris le téléphone, ce n'est pas passé. Juste quand j'ai ouvert mon WhatsApp, le WhatsApp, il y a déjà le même numéro avec la photo. La photo d'une jeune fille de 22, 23 ans. Une jeune fille de 23 ans. Devinez, c'est la fille de qui? Quand je vous ai dit, quand je vous ai toujours dit, comme d'habitude, en insultant Nicky Menga, ça ne va changer rien de sa personnalité. La fille qui a. Ah, mes chers amis, c'est gâté, c'est gâté. La femme de Fally Ipupa, non, pardon, la concubine de Fally Ipupa. La concubine de Fally Ipupa, autrement dit Nana Ketchup, et Fally Ipupa ont un secret caché qu'ils n'ont jamais dit au monde. Un secret codé. Aujourd'hui, nous avons des téléphones, des photos que la femme ici, Nana Ketchup, a eu une fille, un enfant avant Fally Ipupa. Hey! Nana Ketchup, la femme de Fally Ipupa, a eu des enfants, donc un enfant avant Fally Ipupa. Et la fille, elle a 23 ans. 23 ans, 23 ans, 23 ans. Ça, c'est un secret que beaucoup de gens ne savent pas. Et la fille, elle habite chez sa grand-mère. C'est un secret d'État que personne ne sait dans la vie. Aujourd'hui, je vous ai donné le secret. Puisque c'est la vérité qui doit être dite dans la chaîne ici, et je vous l'ai donné. Alors, je vais détailler la vidéo avec notre sœur, la star Nicky Menga Barcelone. Elle, au moins, on connaît l'histoire de Nicky Menga. On connaît la face de Nicky Menga. On connaît comment la fille a grandi jusqu'à ce qu'elle a fait le mariage avec Fally Ipupa. Nicky Menga, avant de connaître Fally, elle n'a jamais eu un enfant. Nicky Menga, pour se sentir une femme modèle, une femme de valeur, elle a voulu être valorisée par Fally. Fally l'a amenée à la mairie, devant les notaires publics. Fally, que je salue à pas ça, Fally a fait des vœux de mariage pour les meilleurs et pour les pires. Fally a juré devant les maires, devant les notaires publics. Il a signé papier de mariage avec une fille qui n'a jamais fait affaire. Une femme qui n'a jamais fait affaire. Comme Nikki était encore mineure, innocente, elle pensait que, comme le mari n'avait pas de papier, il était devenu comme comment on appelle la phrase? Le nom va venir. Nicky Menga a tout fait pour protéger, pour soutenir le début de la carrière de Fally Ipupa. Tout le monde le sait, je ne veux pas entrer dans les détails. Mais aujourd'hui, vous qui aviez insulté Nicky Menga, qu'elle est pute, qu'elle n'est pas une femme de valeur, elle n'est pas décente, regardez maintenant la valeur qu'il nous a donnée. Elle nous a donné les enfants. Les enfants qui sont communs, ce ne sont pas n'importe quels enfants. Nicky Menga, on va te convoquer d'abord. Assis-toi ici, s'il te plaît, attaque ma grande sœur. Assis-toi. Dis-nous un secret. Parle-moi à cœur ouvert, cher Nicky Menga, Barcelone. Quelles sont les nourritures que tu mangeais avant de concevoir tes enfants?
quelle sorte de diététerie, quelle sorte de diet tu étais en train de prendre, tu manges, quelle sorte de nourriture que tu mangeais avant de nous donner des affaires trop belles comme ça. Les affaires charmantes, les affaires bénies, les affaires douées, les affaires intelligentes. Quels sont les secrets? Niki Menga, je t'ai appelé combien de fois? Niki Menga, Niki Menga, Niki Menga Barcelone, 3 fois. Donne à toutes ces personnes-là les secrets. Donne à Chantal Bomolo, Marie-Laure, Grace Mbizi, Maman Mapasa, Chantal Ebola, Emmanuel Yasoke Baba Tatoua Joana. Pesa bango secret. Ba ingrédients nini ozalaki kolia. Biloko nini ozalaki kondi. Jeune ni combien de jours ozalaki jeune. Po bimise la biso bana kitoko boye. Nazalaka na fierté nazako tambola. Bat bazako benganga. Noko ya keina. Noko ya kelia. Nazalaka na fier. Leki ya nikimenga. Parce que eza famille ba bot. Basi moko ya bien. Mais bande de couillas, basi moko mal édiqué oyo ba leka na télévision ko manke femme de valeur lokola ni kimenga. Bota la sikai place nini nana ke chap azalaka. Azana moté mamabe, en une femme sa cœur, sa pideur, oza na force ko bomba mwana. Pendant 23 ans, affection ezake. Sans une femme sans affection, sans amour, yango to mona kay na barika ou la voir à la télévision et elle s'en fout, elle s'affiche des affaires de Fali puisqu'elle a toujours les voix à poupe sur les réseaux sociaux en train de boire de l'alcool, en effet que se faire voir sur les réseaux sociaux pendant que les affaires sont à l'agonie à la maison. Sa propre fille de 23 ans, elle est au Congo. Mais elle est en train de jouir avec l'argent du gouvernement en France. Ce sont des réalités. Ce sont de la vérité et pure et simple. Parce que c'est le message que je viens d'avoir des Africains au Congo avec le message et la photo prévue à l'appui. Maintenant, quand on dit que Nana Ketchup. Et puis, ils ont dit que Nana Ketchup, elle est quelqu'un de 73. 1973. Maintenant, quand je prends l'âge de Maman Mapasa, alors je comprends pourquoi Nana Ketchup était emballé dans des bêtises, puisque c'est presque les gens de même génération, les gens de même âge, presque cinquantenaire déjà. Donc Nana Ketchup, elle est grande, elle est la grande sœur à Fali. Elle est plus âgée que Fali, poupa. Moutouya Boye, elle est plus âgée que Nikimenga, de loin. Moutouya Boye, abanda kosala ba kombasika contre la fille à Nikimenga. Donc la femme est jalouse parce que déjà Nana Ketchup avait déjà pressenti la beauté de Keina par rapport à sa propre fille. Vous qui insultez Nana Nikimenga, vous qui insultez les enfants, moi je ne peux pas insulter la fille là, je ne peux pas insulter qui que ce soit. Maintenant je vais vous mettre à défi. Quand vous insultez Nana Keina et Poupa, vous insultez Kelia, mettez les photos de la femme là, de Nana Ketchup et puis comparez. Comparez maintenant. La première fille, puisque Nikimenga a sa première fille de ce monde. C'est Keina. Nana Ketchup, sa première fille de ce monde, elle est en Afrique. Faites la comparaison maintenant. Faites la comparaison avant de venir insulter l'oncle, avant de venir m'insulter, avant de dire de n'importe quoi. Boebi bien que vous kokangaite. Nako pompe bino. Nako pompe bino pona ma sœur. Nako pompe bino. Ya. Umone mutu afandi. Une femme va s'asseoir comme ça. Il prend le temps de faire plus d'une heure d'état de vidéo. Et puis, il y a des femmes sans valeur, les femmes insensées, remplies de l'air dans leur tête. Insultez les enfants inutilement. Vous insultez Nikimenga. Vous
détourner l'attention des gens vers les mensonges, pendant que la réalité est que nana ketchup. Et là, fait afa ava fali poupa. Et là, fait des afa ava fali poupa. Il cache les afa dans les coins. Aujourd'hui, à cause de votre impolitesse, vous les mamans, à cause de votre arrogance, il y a les gens maintenant qui ont compris, les gens qui ne veulent pas voir Nicky Menga souffrir, les gens qui ne veulent pas Nicky Menga pleurer, insulter, ils nous amènent maintenant des réalités, des vraies versions de Fally et Nicky et Nana Ketchup. Vous aviez falsifié l'histoire, vous nous aviez caché l'histoire. Fally, il est une star, On va tout faire pour connaître la vérité, les réalités de Fally. Aujourd'hui, les vérités sont là. Il est un monsieur malheureux avec sa concubine qu'il avait caché les affaires. Et puis, Nana Ketchup encore était partie en Allemagne pour épouser un autre homme quand Fally était dans les merdes. Mais aujourd'hui, quand Fally s'est retrouvé, Nicky Menga l'a poussé, l'a pistolé, l'a lavé, l'a nettoyé. Mais Nana Ketchup est venu embrouiller le foyer des gens. Malgré ça, le secret aujourd'hui est pire et simple. Nana Ketchup, Obota. Nana Ketchup, tu as une fille que tu caches au Congo. Elle a 23 ans. Toi aussi, tu n'as pas l'âge que tu dis. Tu as l'âge de 73. Tu as une femme de 1973. C'est pour cela que à chaque fois, Nana Ketchup fait des anniversaires et n'a jamais dit combien d'âge elle a. Et quand elle nous cache tout, Nicky Menga a toujours donné son âge. Pourquoi Nana Ketchup ne donne pas son âge? Parce qu'elle sait qu'elle est Cocoaya. Elle sait qu'elle est Cocobar. C'est tout, pire et simple. Tout ce qu'on voit sur Nana Ketchup, ce sont des maquillages, ce sont des chirurgies plastiques. Mais à part des chirurgies plastiques, c'est une cocobar, azam kolo, azam bangé déjà. Nana koloba nanga mingite, vous comprenez déjà, on a eu koloba. Vous partagez, vous commentez, vous abonnez, vous tchaba like. Bye. Ngayoyo.